Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Magine4000100 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay en ligue sur Black Ops 2. Donc je suis à la MP7, on est en HP sur Raid et vous allez voir que la partie va très bien se dérouler, surtout pour moi. Ça va vraiment pas trop mal se passer. Bon, vous me direz, si je vous le présente, c'est que ça se passe vraiment pas mal. Je vous cache pas qu'on va gagner la partie. Donc pour l'instant, c'est vrai que je vous propose que des gameplays de ligue. Après, est-ce que... Enfin, je sais pas quand est-ce que je vous proposerai des gameplays de compétition. Pour l'instant, c'est assez calme avec les cours et tout. On en fait pas trop. On est surtout de temps en temps en ligue et tout, mais... Mais vous inquiétez pas, j'espère que ça arrivera assez vite. On espère en tout cas, même nous aussi, hein, parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Donc voilà, dans cette partie, je crois qu'on est, on était tous dans un, on était un groupe complet, donc ce qui fait qu'on pouvait tous se communiquer, c'était ça qui était bon, c'est bon de communiquer tous ensemble. C'est sûr, quand on est en ligue, c'est beaucoup mieux. Bon, bref, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour vous parler, j'ai juste envie de vous parler un petit peu, de tout, de rien. Je vais surtout vous parler donc de mon avancée, justement de mon projet, là, pour devenir... un joueur entre guillemets, un joueur pro entre guillemets, hein, on va dire, de faire de la compétition Call of Duty. Donc là où on en est, bah, tout simplement, depuis la dernière fois que je vous avais parlé des compétitions, tout ça, on n'a pas vraiment fait de compétition, je vais pas vous le cacher, on n'en a pas vraiment fait parce que déjà il y a les cours qui ont repris, ce qui fait que ça a cassé pas mal notre rythme de jeu, on peut pas tous être connectés en même temps, tout ça. Là, faut savoir aussi que ça fait deux bonnes journées. Bon, ça, il y en a, ça sera rien du tout deux jours, mais que j'ai pas joué à code, tout simplement parce que je suis malade comme un chien. Je pense que ça va s'entendre à ma voix. Ce qui fait que je joue pas trop parce que j'ai une migraine affreuse, donc ce qui fait que j'évite de jouer. Mais bon, dès que je peux, bah, je recommencerai, hein, direct à record tout ça. Mais là, c'est un peu le... la pause en fait, la pause de l'équipe. Je pense qu'on reprendra vraiment dans peut-être 2 semaines, qu'on reprendra bien comme il faut quand ce sera bientôt les vacances à Toussaint. Je pense que c'est ça qu'on attend tous. Sinon, quoi d'autre? Je tiens aussi donc à reparler de la vidéo PS4 ou Xbox One qui a fait réagir certaines personnes. Donc nous, notre choix se porte toujours sur la Xbox One, même si la PS4, apparemment, cette protection n'aurait pas lieu, cette protection d'HCP. Tout simplement, déjà, faut le dire, pour la compétition, je le répète, c'est beaucoup mieux d'aller sur Xbox One. Ensuite, il y a également le fait de changer de console qui... Je vais pas vous cacher que je suis un peu excité aussi de changer de console. Ça peut... Enfin, j'ai hâte. J'ai hâte, pas contre Sony, attention. Hein. J'ai hâte en fait, tout simplement parce que ça va changer le gameplay, ça va changer tout. Tellement de choses qui vont changer en fait. J'ai hâte, j'aime bien le changement. Et pourquoi pas, ça se trouve, j'aurai un coup de cœur pour cette console, comme ça se trouve, je vais tout simplement la détester, on verra. Mais de toute façon, pour nous qui sommes Call of, notre choix est fait, hein. Ça va être Microsoft, ça va être Xbox, parce que voilà, faut pas se leurrer, si on veut faire compétition Call of Duty, avec les serveurs dédiés, avec aussi les exclusivités que nous offre la console, et la compétition tout simplement qui est beaucoup plus présente sur Xbox, faut pas se leurrer que Microsoft, c'est là qu'on doit se diriger quoi. Là par contre je vais voir que je viens de fail un truc énorme là dans
dans le point. Je suis dégoûté. Donc oui, faut savoir que ce gameplay est entre guillemets assez récent. C'est l'un des derniers que j'ai capturé avant de tomber malade, on va dire. Donc voilà, il est un peu plus récent que celui que je vous ai présenté pendant la vidéo justement en PS4 Xbox One. Vous avez dû voir, normalement il était assez vieux. C'était à 22-0, donc je l'avais gardé sous le coude. Et voilà, donc je sais pas si il vous a plu tout ça. J'espère que cette vidéo-là vous plaît. Ensuite, je tiens à dire que je vais revendre mon haveur média Game Capture HD. Et à la place, je vais prendre, donc c'est pas pour arrêter YouTube, loin de là. À la place, je voudrais prendre un Elgato. Donc il me permettrait peut-être de faire des lives ou des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa. Que j'annoncerai sur Facebook, des trucs comme ça. Donc c'est pas tout de suite. Et je compte aussi, ça serait bien qu'à la place d'une qu'à la place de mon écran que j'ai qui fait 1 mètre et quelques, que j'investisse dans un petit écran, mettre à côté de mon PC, qui serait beaucoup plus agréable pour jouer, pour faire des lives et tout. Ça serait tout simplement plus agréable. Ça c'est là-dedans que je voudrais investir, ce serait bien. Mais je sais pas quand est-ce que ça se fera. J'espère le plus rapidement possible. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je sais pas aussi si la qualité des gameplays recordés sera meilleure ou pas avec Elgato. En tout cas, je fais ça parce que les prochaines consoles aussi, ça sera du HDMI. Je crois pas qu'il y aura des câbles UV, donc voilà, j'ai pas trop le choix de changer. Donc je préfère opter pour quelque chose qui est vraiment envoie du lourd. Donc à Elgato, je crois que c'est le meilleur. Après, la qualité de l'haveur média n'est pas non plus dégueulasse. Faut pas dire le contraire. C'est vraiment bon. C'est vraiment un bon produit. En tout cas, là, je préfère changer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais faire ça. Je vous retiendrai tout simplement au courant de ça par la suite. Donc, ensuite, ce que je compte faire pour la compétition. Donc voilà, à part faire des lives, peut-être sur des compétitions, des trucs comme ça serait plutôt pas mal de faire des lives sur des compétitions, genre quand on fait des ODC, des trucs comme ça, faire un live complet. Ça pourrait être vraiment pas mal, c'est un truc, je sais pas, ça pourrait vous plaire. Et ensuite, ça sera réupload sur ma chaîne, donc la rediffusion, on va dire. Ça pourrait être vraiment sympa, mais avant, il faut un Elgato, et un Elgato, ça coûte pas non plus 10 centimes. Hein. Excusez-moi. C'est pour ça qu'avec les sous. Avec l'argent que je pourrais avoir de l'haveur média, je vais pouvoir investir dans un Elgato. Mais aussi, il faut investir aussi dans un écran, donc ce qui fait que c'est pas le truc le plus simple au monde. Mais après, il faut savoir que mon anniversaire arrive en fin d'année, donc ce qui fait que j'ai pas mal de chance aussi. Ouais, donc je vous retiendrai tout simplement. J'espère juste que ça se fera le plus vite possible. Et j'espère, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire, ça, de faire par exemple des ODC en live ou des trucs comme ça. Moi, ça pourrait vraiment me plaire. Ensuite, de ce qu'il en est de la Astana, donc il faut savoir qu'elle se développe petit à petit. Même si là nous sommes assez inactifs niveau compétition, je m'en excuse auprès des gérants, hein, je leur parle de temps en temps de la Astana, je m'en excuse. Parce que tout simplement, voilà, il y a surtout les cours en fait qui font ça. Puis là, ouais, imagine, là, aujourd'hui, ça m'étonnerait que je rejoue encore à Call of. Peut-être demain. Tout simplement, bah ouais, comme je vous dis, mon mal de crâne, tout ça, le fait que je sois malade, bah c'est pas ça qui m'encourage à jouer. Je vais tout simplement faire de la merde plus qu'autre chose et je vais tout simplement me rendre plus malade que ce que je suis déjà. C'est pas le but recherché. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On arrive bientôt à la fin du gameplay. Attendez, je vais décaler la fenêtre, je vais voir il reste combien de temps. Il reste, ouais, 1 minute. Dites-moi dans les commentaires si tout cela vous plaît, si voilà, mon passage sur Xbox One plus le Elgato qui devrait plus trop tarder à arriver, si cela vous branche. Moi perso, j'ai hâte. Oh, excusez-moi. Voilà, la fatigue alors que je vais même pas en cours, c'est horrible. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire. Sachez que là, je peux vous proposer une vidéo de plus cette semaine parce que tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis malade, donc je suis chez moi. Donc voilà, il n'y a pas que du mauvais d'être malade non plus. Au moins, je peux vous présenter plus de vidéos par semaine.
Mais bon, là je peux voir que je joue pas mal le conflit là, hein. Oh là, regardez-moi comme, oh, comme j'ai géré le conflit là. Bon, en tout cas vous allez voir que j'ai fait plus de 40 frags à la fin de cette partie. En tout cas moi, sur ce, je vais vous laisser les amis. Et puis voilà, on va se retrouver, je pense, au week-end pour une nouvelle vidéo. Bon allez, bye tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.